Ok, premier test, face tracking qui fonctionne. Let's go! Salut à tous, c'est Levitation Beats. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue pour ce premier épisode de Une Instru par jour. Ou de un jour une instru. Ah, je sais pas comment on va l'appeler. Un jour une instru, let's go, ça démarre tout de suite. Boum! Bon, pour ce premier épisode, je suis parti sur une prod R&B. Tout simplement parce que là, je sais pas si vous avez écouté. Là, il y a trop d'albums R&B qui sont sortis en même temps. Bryson Tiller, Trey Songz qui a sorti son album. Bref, c'est totalement mes vibes du moment. Donc du coup, je me suis dit, pour ce premier épisode, qu'est-ce qu'on va faire? On va mixer les vibes de tout le monde. Donc là, on va se mettre en tête dans une ambiance Bryson Tiller. Hop là, mon petit black piano. Donc là, pour les accords, c'est simple. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un reverse piano. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est les notes du piano jouées à l'envers. Donc ça, j'ai un preset déjà tout fait sur Hit-Up. Donc là, je copie seulement, simplement, donc, les mêmes notes que le piano. Donc après, une fois que tu as ton piano, ton reverse piano, moi j'aime bien mettre directement la basse. Donc après, moi j'aime bien rajouter un pad juste pour ramener un côté mélodieux. Là, on est totalement chez Bryson, il y a juste à toquer. Hey yo Bryson, ouais, j'ai une prod pour toi. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il nous reste à faire le beat, donc la rythmique. Donc là, une fois qu'on a fait tout ça, on peut assembler le reste. Donc voilà pour l'instru, elle est terminée. J'espère que vous avez kiffé la vibe. Et j'étais vraiment dans une vibe Bryson Tiller. Je pense que ça doit faire 15 fois, je dois se dire Bryson Tiller dans la vidéo. On se retrouve nous demain, je vous laisse en écoute. Final avec la prod. N'hésitez pas à me partager, liker, à vous abonner à la chaîne et à vraiment, si vous avez vraiment kiffé mon univers pour cette première journée, je vous dis à demain. Ciao!